Bien, nous voici à présent dans une salle consacrée au Premier Empire, grand moment de l'histoire de France, raconté par les plus grands peintres. Quelqu'un peut-il me dire quel grand personnage historique se trouve sur chacun de ces tableaux? Quel grand tyran, vous voulez dire? Ça dépend du point de vue. Oh yes, it's Napoléon Bonaparte. Oui, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Oui, c'est presque ça. Bien, qui peut me citer une grande victoire de l'armée napoléonienne? Austerlitz. Oh no! Austerlitz is not a victory. It's a defeat. Waterloo is a victory. Encore une fois, tout dépend de quel côté on se place. En tout cas, tout le monde sera d'accord pour dire que Napoléon, c'est une crapule. Ta blague! Plein de tal, voleille! On comprend rien, hein, ce que vous racontez. Moi, avoir dit que Napoléon est un grand tyran. Mais même Lucille va goûter hors de ses frontières. Musée a dit, en parlant de la retraite de Russie, c'est la misère humaine. Toute seule, sous un ciel brumeux, sur un sol de glace, sans chef, sans guide, sans distinction dans le désert. Regardez, nos ennemis se lèvent contre nous. Aux armes, formez les bataillons et gloire à l'empereur.